Le nouveau président de l'IRT, Stéphane Foissin, a dévoilé la semaine dernière à Bouc-en-Canote la feuille de route 2016-2017. Au-delà de la mise en place de nouvelles actions de valorisation de la Réunion, telles que la venue des candidates à l'élection de Miss France 2016 ou la nomination de Dimitri Payet comme ambassadeur d'honneur de Lille, trois axes majeurs ont été identifiés par la nouvelle équipe de l'IRT afin d'augmenter les recettes générées par le tourisme. Tout d'abord, savoir conquérir de nouvelles clientèles pour augmenter la fréquentation touristique, accroître la durée les séjours et démultiplier les dépenses par personne. Le monde évolue très vite, l'informatique va très vite, l'information va très très vite et bien sûr nous nous adaptons au fur et à mesure. Vous avez vu, nous faisons venir Miss France à La Réunion, voilà une image médiatique du grand public qui est importante. Mais c'est aussi le partenariat avec Dimitri Payet que nous mettons en avant pour justement essayer de conquérir le marché anglais et d'autres marchés parce que Dimitri Payet a maintenant une envergure internationale. La colonne vertébrale est toujours la même. Cette colonne vertébrale, c'est la France, l'Allemagne, et nous allons axer nos investissements et notre promotion sur la Chine, un petit peu moins sur l'Inde, mais aussi sur l'Europe du Nord. Je pense à l'Angleterre, je pense à la Hollande, à la Suède, à la Finlande. C'est l'intensité de notre émotion à travers une expérience. Voilà la continuité historique de notre île. Et nous allons poursuivre cette continuité historique. Seule la Réunion est capable de proposer autant d'expériences au kilomètre carré. Ça peut être l'expérience dans la culture, ça peut être l'expérience gastronomique, hein, mais c'est vraiment cet axe-là sur lequel nous voulons travailler, en attendant la mise en place, bien sûr, du schéma régional de développement touristique qui prendra, bien sûr, la place de la feuille de route que nous avons mis en place pour un an et demi. C'est certes quatre piliers, mais qui sont entourés, effectivement, par le vivre ensemble que nous connaissons à La Réunion. Ces piliers, d'abord, c'est le bien-être. Ça aussi, il faut que nous puissions proposer du bien-être sur le tourisme réunionnais, au tourisme extérieur. C'est aussi le tourisme de la nature, avec la nature que nous avons. C'est aussi un tourisme de culture. Nous avons une culture extraordinaire ici à La Réunion. Et la gastronomie doit être aussi l'axe majeur de notre destination. Vous savez, un touriste, quand il réserve, il veut savoir où il dort, qu'est-ce qu'il mange et qu'est-ce qu'il va faire. Le touriste, à partir du moment où on diversifie les produits, dépensera beaucoup plus d'argent. C'est-à-dire que si, dans la même journée, il visite un musée, on lui fait vivre une expérience gastronomique, et en plus de ça, il va vivre d'autres expériences ou sportives ou expériences culturelles, plus il fera de choses dans la journée payantes, plus on diversifie donc ses produits et plus il va dépenser sur notre territoire. L'IRT est déjà les trois là où elle est, on paye un loyer qui est quand même assez important et nous voulons plutôt aller vers une construction, vers de l'investissement. C'est important qu'une structure comme l'IRT, qui est une structure qui a maintenant plusieurs années d'existence, puisse s'asseoir sur des bâtiments qui lui appartiennent et qui appartiennent à la collectivité, aux collectivités. Nous resterons sur Saint-Paul et nous sommes en pourparlers avec le maire de Saint-Paul pour trouver un terrain pour construire nos futurs bâtiments.